C'est enfin le grand retour de l'addiction à l'ouverture des coffres sans jour. Cette fois, c'est un peu différent, ça part de mon pote qui me dit un truc du genre. Ouais, salut mon prince des ténèbres, j'ai une bonne idée de triso, je vais dépenser 54 millions dans des coffres sans jour et on va pouvoir en faire une vidéo. Alors évidemment, avec un gros golem de pote qui réfléchit pas aux conséquences de ses actes, bien sûr que j'ai dit. Petit rappel, la première fois que j'ai fait ça, j'ai eu une destin. Allez. Salut toi! Oh mec, yes. Yes, yes, oh oui, yes, yes. La deuxième fois, j'ai tout perdu. En vrai, j'ai perdu que 15 millions. Ça va, non? Par contre, quand j'avais ouvert les coffres de ce gros golemont, il avait une dame Jess. Tout misé sur une légende. Après, ça peut arriver d'un coffre à l'autre. Beau gosse. Oh, bah, méchant. Oh. Et les gars, je vous dis pas, mais à chaque fois qu'il en ouvre en off, il chope des crocobures, des pukishi, des corruptions. Bon, en gros, à chaque fois qu'il m'envoie un message par rapport à l'ouverture de coffre, j'ai envie de rentrer mon crâne dans les crânes. Abonne-toi, s'il te plaît, t'es le plus beau des humains. Voilà, j'ai décidé d'essayer comme ça, on va voir si ça marche. Et je te rappelle que j'ai mis en place l'option rejoindre sur ma chaîne YouTube qui fonctionne comme un abonnement mensuel à la chaîne. Il y a quelques petits avantages pour vous si vous le faites, et en plus de ça, si vous le faites, je cire vos pompes, je vous fais le ménage, je vous récure les chiottes, je me déplace chez vous, je lave votre bagnole. C'est bien évidemment faux, je suis pas une timpe. Bon, bref, je vous laisse avec la vidéo. Je sais pas si t'as quelque chose à dire, à préciser, combien t'as investi, qu'est-ce que tu veux. Ouais, bah du coup, depuis le dernier opening, du coup, avec la dame Jess, j'avais bien rentabilisé, mine de rien, la Jess, que j'ai fini toutes mes quêtes pour avoir le Sylvestre, donc ça c'est cool. Et du coup, j'ai été un peu lassé du gameplay avec le panda tank. Du coup, je me suis dit, je vends madame Jess et j'achète des coffres et je tente, on va dire, le coup de poker un peu. Et puis, du coup, j'en ai eu pour 54 millions, je crois, de coffres. Donc on va chercher principalement Crocobur, c'est ce qui coûte le plus cher des légendes. Et puis après, des runes astrales merveilleuses pour compenser un peu. Pukashi, ça coûte un peu, je pense. Enfin, toutes les légendes coûtent un minimum 3 millions, je crois, un truc comme ça. Tu la mets dans ton œuvre sac pour... en vrai, toutes les ressources de champ, je te le mets là-dedans, là. Comme ça, sera pas tronqué. De toute façon, là, c'est pas comme... c'est pas la même situation que moi, parce que même si tu perds tout, en vrai, t'as quand même ton stuff multi de crit, t'as tes Dofus là. Ouais, ouais, complètement. Et au final, t'as fini un peu même le Sylvestre, donc maintenant... Oh, on va pas se mentir, tu te fais un peu chier le cul, quoi. Bah, c'est vrai que, ouais, depuis que j'ai fini les quêtes, j'ai bien travaillé pour avoir le Sylvestre une fois que j'ai eu la Dame Jess. Et du coup, là, maintenant que j'ai fini les quêtes, j'avoue, je suis un peu lassé du jeu, entre guillemets. Genre, j'ai pas envie de refaire des quêtes parce que trop chronophage et trop chiant sur certains trucs. Bah, le bénéfice, oui, forcément, c'est ce qu'on espère. En vrai, on va dire, pour être à peu près réaliste, j'aimerais bien au moins compenser ce que j'ai dépensé. Si je m'en sors avec 120 millions, en vrai, je suis content. Bah, oui, forcément. Faut savoir, faut dire aussi que t'as une chatte monstrueuse. Ouais, j'ai eu récemment, j'ai eu pas mal. Ça, on n'a pas toujours fait en vidéo, mais du coup, j'ai ouvert effectivement des coffres récemment. J'ai chopé une corruption, une crocobure, deux pukashi en l'espace d'une semaine et demie. Donc, j'ai à chaque fois tout réinvesti dans les coffres et j'ai perdu du coup ce que j'avais fait comme bénéf avec la crocobure. Mais voilà, c'est parti du jeu et je me suis dit. Aujourd'hui, on refait un gros opening. C'était 100 coffres la dernière fois. Là, on en a pour 275. Donc voilà, c'est l'occasion de faire une autre vidéo un peu cool avec une ouverture un petit peu plus importante. Bon, je te propose qu'on y aille parce qu'en vrai, ça va être assez long à ouvrir déjà. C'est parti. Je sais pas à quel point je vais devoir ouvrir vite ou pas. Je pense qu'il va falloir que je spam quand même. Après, c'est à toi de me dire si tu veux changer. Ouais, ouais, si... bon, ouais, après, de toute façon, on n'est pas obligé de changer de map ou quoi. Moi, ça me va si on ouvre comme ça. En tout cas, pour l'instant, on est sur un malaise colossal, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas on eu... On est sur de la belle merde. Une rune, quoi. Oh. J'ai calculé, pour compenser, il faudrait une trentaine de runes. Donc là, pour l'instant, on en est très loin. Eh, mon gars, franchement, là, t'avais deux... Déjà, les 30 premiers coffres, c'est un malaise extrême, déjà. On peut le dire, c'est soit du reflet, soit de la prisma indigo. Est-ce que t'es pas déjà en train de regretter? Là, j'ai très peur. Là. Mentalement, c'est très difficile. Voilà, mais tu sais, même moi, j'ai un peu envie de mettre mon crâne dans l'écran. Parce que je me dis, mais frérot, t'as pas mal de 1000 reflets oniriques. Terrifiant. Et autant 1000 reflets oniriques, c'est 8%. Par contre, la rune astrale... Quoi, je pense à 200 coffres. S'il y a rien dedans, tu peux changer de map. Prends celle que tu veux, je m'en tape royalement, mais change de map. Ça fait beaucoup... En 60 coffres de rien avoir, c'est terrifiant. Oh frérot, oh la vache. Là, oh la vache, là, c'est dur. Mec, mais il n'y a pas un truc bien. Hein. Là. Mais ils ont nerfé les taux de drop là où il y a un truc, c'est quoi ce bordel? Voilà, donc là on est sur 75 coffres d'ouvert. Je pense que je peux carrément link ici. Il y a
voilà. Rien du tout. Voilà sur voilà le malaise sur lequel on est quoi. En sachant que c'est là en gros on a fait pour 14 millions de coffres là, à peu près. Un peu plus même. Ouais, là c'est un peu chaud quand même. Va falloir au moins deux, mais même si tu veux renta, il te faut 3 crocos quoi. Minimum 3 crocos pour compenser ce que j'aurais ce que j'aurais dépensé. Ouais, là c'est un peu. C'est terrifiant. Tu veux aller où? Prends celui que tu veux. En vrai, j'ai pas de préférence. Vas-y, on va à Sarrache. Sarrache. On va où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va au bord de l'eau, tranquille, pépouze, au frais, ou alors devant le saloon? Devant le saloon, comme ça tu montres à tout le monde que t'es un gangster. En vrai, c'est stylé un peu. Il faut rentabiliser là. Là, faut y aller. C'est maintenant où on veut des trucs. Fais un petit slash clear en vrai, je pense que c'est important. Ok, slash clear et bah. Part à zéro là, c'est reparti. Écoute. J'ai tellement peur de. Mais là le plus effrayant c'est. En vrai, les légendes. On va avoir tapé 100 coffres, il y aura rien dedans quoi. Les légendes, ok, là, il y en a pas, c'est un fait. Mais. Les runes, mec, les runes. Il n'y a pas une rune en 100 coffres, c'est terrifiant. Théma, la douille que c'est. Mais je crois que j'ai jamais vu ça en vrai. Tu sais qu'en vrai, je me demande si j'ai pas envie de stopper à 100 coffres pour pas trop perdre, parce que là, du coup, c'est vraiment naze. Hein. Frère, il n'y a même pas une rune. Il n'y a même pas une rune. C'est quoi ce délire? On est. Mec! On est là, on est. Je pense que t'es pas loin d'être sur le pire opening de. Ah! Il était. Ah, et dis donc, après 119 coffres là, 1,7 million de générés, est-ce que c'est pas la première d'une longue série? Non, j'y crois pas du tout. Je crois plus. Ça a pas l'air, hein. Non, mais t'inquiète, en vrai, il y a une petite légende qui va tomber, tu vas voir, tu vas être bien. J'y crois absolument pas. Oh là là, la catastrophe. Une deuxième, allez. T'as dit, il te fallait combien de runes? Ok, 30. Troisième. Il te fallait combien? 30. 30 pour Renta? Mais... Oh, oh! Allez, on en veut d'autres. Là, allez. Il va falloir que ça tombe, parce que là, on va être sur une perte colossale. Et même les légendes, hein, là, on n'en parle pas des légendes, mais... Okay. Ouais, il serait temps, là. Et déjà, là, tu vois, rien que sur cette ligne, déjà, t'as 4 runes astrales, 5 runes astrales merveilleuses. T'as l'air. Je vais quand même bien prendre une crocobure ou je sais pas quoi, là, c'est quand même effrayant, là. Peut-être pas, hein. Mais que. Non, mais mec. Vu comment c'est parti, là. Après, en vrai, il te reste 100 coffres. Oui, enfin, bon, on a ouvert 175, il y a quand même rien dedans, en fait. Oui, ok, une autre rune astrale. Bon. Je continue, je. Ouais. Ouais, vas-y, maintenant qu'on y est, on y est. Ah, les petites runes. Bon, une en Pukashi, vrai. Ok. Les gens d'animal de Pukashi, t'as dit c'était combien? C'est 4M? Un peu moins, 3M7, ouais. Un peu moins, 3M7. Là, déjà, les deux dernières lignes, elles font plaisir. En vrai. C'est. Ah, attends, okay. Attends, voilà. Là, on parle un peu plus, là. Ça reste encore pas assez bien par rapport à ça. Oh, mais frère. Ah, deuxième? Frère, mais attends, mais. En vrai, t'es quand même une bonne chatte. On va pas se mentir, t'as une bonne chatasse parce que. Bah oui, on a ouvert quasiment 200 coffres là, on a rien. Attends, regarde les 20 derniers là. Les 20 derniers, c'est quand même. Ouais, ouais, mais il faut plus. Je suis désolé, mais il faut plus que ça là. Moi, je veux une croco là. Faut qu'il y ait une croco qui tombe là. Ouais, mec, c'était une croco. Là, franchement, c'était une croco. C'est. Quand même, t'aurais une. Enfin, tu peux pas avoir une croco à chaque fois, en vrai. Bah, ce serait quand même bien. Mais par contre... Parce que là, tu vois, ça fait un petit moment qu'on n'a plus grand-chose. Il va être temps de retomber sur quelque chose de bien. Ouais, là, il va falloir un gros truc pour créditer, parce que... Là, c'est un peu chaud, quand même. Il te reste 50 coffres. C'est terrifiant. Mec, je pense qu'il faut rechanger de map, là. Faut rechanger de map. Je pense que là, c'est important. Le saloon, déjà, c'était une meilleure idée. Est-ce qu'on va voir le shérif? Est-ce qu'on va voir quoi? Le shérif, carrément, tu vois. Tu vas aller voir le shérif? Le shérif, il est où? Parce que là, c'est marqué. Il est pas le shérif, là. Bah, mec, c'est marqué. C'est la map du shérif, là. Ouais. Tu vas voir le shérif? Ah, le shérif, il me donne des trucs, le shérif, là. Ah, Théma, c'est droupique.
C'est donc pique le shérif. Là, tu te mets devant les comptes, là. Hop. Orienté en personnage. Tu commences un peu à t'énerver. Une petite claque. On veut des crocos. On veut une croco, bah, une crocotte. Je veux deux crocos dans les coffres. Deux crocos. Ouais. Mec, si t'as deux crocos, j'arrête d'offus. Ah la vache. Oh, déjà, c'était la pire. T'as quand même. Soit t'as une série de malchance, soit t'as une série de chattes monstrueuses. Parce que là, en 4 coffres, t'as quand même fait plus de 5M, quoi. Y a moyen, je pense que, honnêtement. Oh putain, vache. Je pense que tu rends ta pas. Mais tu limites quand même la casse. Bah ouais, mais quand même temps. Non mais j'essaie de te rassurer en vrai, mais j'y crois zéro. Avec tout ce qu'on a ouvert, c'est quand même terrifiant. Hein. Oui, d'avoir si peu, c'est grave. T'as eu deux légendes Pokéchi. Mais alors sinon... Là tu vois, ces lignes-là, c'est les lignes que t'as envie de bannir de ta vie. Là. Ouais, c'est naze. Oh la vache, au moins une petite rune pour la fin. Voilà, fallait demander. Bah demande une croco alors. Une croco? Aïe. Les estimations, je pense que t'arrives péniblement à du 25M en vrai, je pense. Moi, ouais, je pense 20M en vrai. Même, je pense que les 25M, on en est loin, mais vas-y, on va voir. Ah, ça va. 31M. 22 millions de runes. Ah. Et ouais, ok. Bon, en vrai, perds la moitié, quoi. Ouais, ça fait quand même mal au cul, mais en vrai, j'ai quand même. Au total, j'aurais quand même quasiment 40 millions, 50 millions même. Comment ça, 50 millions? Bah avec ce que j'ai déjà. Comment ça? Avec les kamas que j'ai déjà, si je revends tout, j'aurais à peu près, enfin quasiment ah oui. 50 millions du coup. Je pense que là, si tu refaisais le même opening avec autant de coffres, t'as pas beaucoup de chance d'être moins rentable que ça. D'en avoir moins que ça en vrai. En même temps, là, c'est quand même terrifiant, hein, ce qu'on vient de witness, là, c'est quand même grave, hein. Là, c'est chaud, quand même, parce que, franchement... Ouais, par contre, très grave, hein. Mon gars, tu peux te lancer une belle petite collection de Pokéchi, hein. Là, mon gars, t'as 3 légendes animales. Ouais. Bon. En vrai, avec un peu de chance, je fous un... Comment ça s'appelle? Tu sais, en gros, avec les trucs Pokéchi, tu peux avoir les croquettes infusées, là, pour les légendes sur les familiers, et t'en as qui coûtent, genre, très cher. Ouais, peut-être, je sais pas. Je me dis peut-être qu'avec 3 légendes Pokéchi, je peux faire les potions en gros qui te donnent la croquette et c'est genre 10 millions la potion quoi. Genre là, du coup, pour conclure la vidéo, on a compris que c'était complètement éclaté. Est-ce que il y a un mot que tu pourrais dire que les gens pourraient donner en commentaire pour montrer qu'ils ont regardé toute la vidéo, tu sais, un peu comme je fais d'habitude? Ça peut être cette fois-ci, j'ai pas la gaule, puisque là, moi c'était le cas. Et là, cette fois-ci, on en est très loin. Cette fois-ci, on est sur une bonne Knacky Ball, quoi. Ah ouais, là, on est sur. Ça peut être le mot Knacky Ball, voilà. Knacky Ball.